Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Simons. Bonsoir, CBC. Ça va? Oui, bonsoir. Ah, j'ai du mal à suivre le rythme. J'ai beaucoup de boulot ces derniers temps et j'arrive KO le soir. C'est compliqué, donc j'essaye de La suivre et bien, après. c'est important, oui. Ouais. Parfois, sur charge. Ouais, c'est fin d'année, on est ici en Tunisie. Enfin, vous êtes en Tunisie, CBC? Oui, à ce je suis. J'étais à Sfax, moi, l'autre fois. D'ailleurs, je vous ai appelé et le téléphone ne fonctionnait pas sur le téléphone de WhatsApp. Je me suis permis de vous appeler. J'étais à Sfax. C'est 98, 65, 70, 70. 98. Attendez, C'est le même que 98. WhatsApp. Oui, et puis c'était fermé, ou peut-être moi, je n'avais pas le. Et encore une niche en connexion, quand même, je Ouais, couverture. c'était possible. Bon, la prochaine fois. Je Voilà. retourne Et à ça va Sfax, moi, de tourner temps en comme temps. ça, là. La Ah prochaine oui? fois, avec D'accord. plaisir. OK. Merci. Pour nous quatre, ça avance avec la mobilisation. Donc, chacun de nous, il y aura une version paysagique qui est un peu différente des autres. Donc, la fonctionnalité, c'est la même, mais il y a quelques petites différences qu'on trouve dans cette version, pas dans l'autre. Moi, la version que j'ai eue, c'est une Bisagi modelée. Ce n'est pas la même que la vôtre. Je n'ai pas réussi à télécharger la Modeler. vôtre. C'est bon, c'est valable. Oui, c'est valable. Elle est Toutes bien, ouais. les versions sont valables. Modeler, c'est Mais du exactement point celle-là de que j'ai. vue technique, fonctionnalité, il faut chercher où se trouve Voilà. et c'est pas toujours la même chose. Ouais. Bon, sincèrement, moi, je suis en retard à ce niveau-là, donc je vais essayer de me rattraper le week-end. Regarder les vidéos et travailler avec quelqu'un. Yalla, Gigi. Gigi. Ouais, Bdina, ma chérie. Tu m'as pas commencé. C'est salam alaikum. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir. Eline. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bonjour. Non, pas du tout. Hana, yalla, ça fait. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Sarogo. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Bonsoir. Bessam. Bonsoir, tout le monde. Wow. Qu'il y a un problème de compatibilité. Je travaille sur 61, si tu travailles sur 30, 32, c'est ça. Voilà, les amis, ils sont en train de se connecter. Bonsoir. Monsieur Bassam. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bassin. Ça va, vous allez bien? Bonsoir, c'est Ça ça. va, tout spécial. Ok. Au revoir. Bonsoir, monsieur Bassin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Boussadi. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Bonsoir, Aïcha. Bonsoir, tout le monde. Effectivement. Montrez-nous vos visages, s'il vous plaît. Monsieur Salah, monsieur Ismaël, j'aimerais bien. Elle est Oui. là. Inch'Allah. Oui. Bientôt, bientôt. Khashna Oui. لا بتكشفوا فيني البارح هي جيكم بقيت في الفورماسيون ورديت العشاء تاعي زعما وكل شيء تحرق جوب ليكم La femme au foyer, 6% réclament que les femmes, c'est au foyer, elles ne doivent pas travailler. Non, Wow. non, non, pas du tout. قولوا والله قولوا والله قولوا ما نجلسوا من الخدمة كاين شي راجل يجلسنا من الخدمة ما نخدموش اسيدي اسال غير برافو بيان دي فاطمة اه Bien dit Fatima, c'est question de responsabilité. C'est à quelqu'un plus responsable que nous, on l'accepte.
Et on va présenter nos excuses, Aïcha, parce que vous avez partagé votre travail et donc la concentration était 100% sur le travail quand même. Ça, c'est... Tout à fait, oui. Bien sûr. Non, le problème est résolu. Alhamdoulilah, le problème est résolu, tout nettoyé. Quoique les psychologues nous disent que les femmes sont capables de penser à plusieurs choses en même temps. Oui, c'est ça. Non, hier, vraiment, j'étais bien concentrée, telle Adam. J'ai dit, oh, tout est parti dans le petit mouchki. À refaire. Alors, pour que vous vous dites, Aïcha, où est-ce que vous êtes? La Excellent. Tu es de quelle région au Maroc? Je suis de Casablanca. Casa, ok. مرحبا بكم. لا يسلمك يا الناس يا الناس. مرحبا بكم. المغرب راه بلادكم. On va préparer vraiment des repas pour nos amis algériens. مرحبا بكم. عندي ولا عندك عيشة. ماشي سوالا بوليتيكو لا لأنه سديغيين. لا ما سوقناش. عيشة أنا خوك. حنا صوتي حاسر. ما سوقنا كاع لا بوليتيكو اللي حزانو. Oui, bonsoir tout le monde. Les Tunisiens. Bonsoir. Ah, Tunisienne, Masha Allah. Je connais très bien la Tunisie. J'ai travaillé avec des Tunisiens. J'ai travaillé avec des Tunisiens au Gabon. À ITK. Puis j'ai vu des Tunisiens aussi. J'ai un collègue actuellement, un cher collègue. Est-ce que tu es Tunisienne ou Marocaine? Non, c'est l'envahissement. On est envahi par les Marocains et les Marocaines. Maghreb arabe, Maghreb tunisien, Maghrebia, Jazairia. Non, mais franchement, je ne connais pas le Maroc. Je n'ai pas l'occasion de visiter, mais la Tunisie, je connais très très bien. J'ai des très bons amis et je fais pas mal de conférences en Tunisie. Pardon? Bien invité. Alors, vous êtes invité pour la formation. J'ai fait des conférences, mais online avec des Marocains au Maroc, avec l'université de Rabat, je pense, un truc comme ça. Franchement, le niveau, il est plus élevé, très élevé, il est très, très élevé. J'étais impressionné. Tout dépend du formateur. Tout dépend des formateurs. Non. Si le formateur... Non, c'est pas comme ça. Les indices, c'est les publications dans des journaux scientifiques dont l'impact, il est très élevé. Les Marocains, on trouve énormément de Marocains qui publient dans des journaux qui ont un impact facteur très élevé. Des journaux vraiment de très grande notoriété. Et puis, il y a les Tunisiens aussi. Et je le dis franchement, il y a les Marocains, les Tunisiens, puis on vient en troisième. Les Algériens, nos amis, les Algériens aussi sont très intelligents. Et je connais des Algériens en France, vraiment, leur niveau est très élevé. La diaspora, en France, au Canada, au Canada et tout, ils parlent. Même, j'ai des amis Algériens à l'échelle du Canada aussi. Les Maghrébins, ils sont partout. Ils sont partout des Maghrébins. Les intellectuels maghrébins, ils font bonne impression à l'étranger. Les présidences des maires ou des communes sont des femmes, mais d'autant plus des étudiantes. Très bien. Une présidente de la commune qui a 18 ans. Il n'a même pas sorti. Il n'arrive même pas sorti. Je ne suis pas d'accord sur ça. OK, parce que être étudiant, c'est on est dans le milieu académique, il faut aller le plus loin possible. Devenir président d'une commune, c'est faire de la politique. Il ne veut pas abandonner ses études. Sauf que, je ne sais pas, derrière cette représentation, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que les membres de la commune, c'est eux qui la veulent pour ça, c'est pour le buzz, ça c'est pour faire quelque chose, je ne sais pas. Écoutez, 18 ans. Okay, cher ami. Ok, cher ami, donc. C'est bon? Pour le groupe d'agence immobilière. Oui, oui. Vous avez quelqu'un qui peut manipuler paysager, non? On a déjà travaillé sur l'amélioration continue, n'est-ce pas, Sébastien? Non, je parle du groupe agence immobilière. Oui, agence immobilière. Parce que hier soir, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut partager et qui peut travailler sur paysager. Ah, d'accord. Et donc, on a travaillé en salle plénière, tout le monde. Mais je préfère quand même d'aller un peu dans les détails que tout le monde. Oui. Au moins, un processus. Oui, c'est moi. Moi, j'ai téléchargé. Maintenant, si je serai accompagné par mes collègues, oui. Parce que voilà, oui, donc, on est là allez, pour... Allez, on est là pour... Moi, jour. Voilà. Voilà. Donc, le groupe AI, ils vont dans la salle AI. D'accord. Je vais vous rejoindre. Le groupe EPP, il continue parce que le groupe AI, c'est un peu dans une phase moins 1. OK. Donc, le groupe EPP, ça sera enregistré sur le YouTube. Le groupe AI, vous entrez dans la salle AI. OK, okay. J'y vais. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, oui. Excellent. OK, d'accord. C'est bon. Je vais avoir une deuxième connexion. Principalement, je vais être avec le groupe AI. Et pour le groupe EPP, c'est pour l'avancement. Okay. Donc maintenant, pour le groupe EPP, Aïcha et les autres, les amis. Donc, les flèches, on va, pour les flèches, on va annexer des titres pour les flèches. La connexion, c'est quoi? OK. Et on va faire des losanges, c'est-à-dire des décisions, si oui, si non. OK. Et vous allez dans un sous-processus que vous choisissez pour le faire. Et vous éditez, et vous faites l'édition sur le Word, ou PDF ou Web, comme vous voulez. Vous faites l'édition au moins d'un rapport. Monsieur Bessam? Oui. Allô? Bessam? Oui, Raja. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Monsieur Bessam, est-ce qu'il détermine pour ces processus-là qu'ils ont créés? En quoi il est architecte, le département qu'on peut nommer architecte, promoteur et entrepreneur et expert? Non, on est d'accord sur une chose. Dans chaque département, on passe par les quatre phases. Ok, c'est bon. C'est ça l'idée principale. Oui, c'est ça. Faire la conception, le déploiement, la promotion, le déploiement et l'expertise, alors, ça se fait à chaque niveau. Oui. D'accord. Là, je voulais juste zoomer par département. Voilà. Donc, à chaque département, on fait ça, c'est bon. Voilà, à chaque... Un simple ouvrier, lorsqu'il aura une tâche à faire, il doit passer par les quatre étapes. C'est ça, oui. Et ça, on peut les mettre globalement, faire la chose suivante, mais on peut décortiquer en quatre phases. OK. OK. Deux phases, trois phases, quatre phases, max. OK. Juste, Monsieur Bessam, moi, j'ai travaillé sur la partie sur le logiciel studio et je n'arrive pas à faire l'exportation vers Word. Par contre, je l'ai fait avec la version de Monsieur Boussadi. On dit le même fichier. Non, non, juste un mot. Aïcha, s'il te plaît. La version que tu as utilisée, ce n'est pas la version studio, parce que la version studio, elle travaille sur le cloud. Bon, Fatima, elle n'est pas avec nous, normalement. Là, je suis avec tu vas rester avec eux? Puisque vous savez, il va avec nous. Oui, je vous écoute, monsieur Boussadi, oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu as téléchargé une version monoposte ou bien tu as créé un compte sur le cloud et tu as travaillé oui, est-ce monoposte? Que vous êtes AI ou OTP? Donc, ce n'est pas la version studio. Moi, j'ai téléchargé ta version. Ce n'est pas la version studio. Donc, j'ai le lien si quelqu'un veut. Un logo. Il n'y a pas de souci. C'est une version très stable et elle est très, très récente. OK. Mm-hmm. Elle est mieux que la première. Oh, parfait. Mais pourquoi je n'arrive pas à exécuter le workflow? Kuruma et Raja, vous êtes AI ou EPP? Merci. Moi, je suis EPP. OK. Raja? Raja, vous êtes avec AI ou EPP? Traoré. Oui.
Moi, c'est EPP, oui. EPP. Fatima, Hosni. Vous êtes EPP, hein? Vous avez remarqué, si vous savez, lorsqu'on exécute le workflow, moi, je suis au groupe immobilier. Agent, AI. AI. Ah, c'est AI, ok. Je vais vous diriger. Salahdin. Salahdin. Il est avec nous. C'est parce qu'il a son problème de connexion. Non, non, il est là, Salah Hadji. Oui, il a trois connexions avec nous. Ah, il va partir. Oui, juste. Sa connexion, elle est. Je m'excuse, hier soir, j'ai eu une coupure de courant, pas une coupure de réseau. Donc, même avec les 3G, ça n'a pas marché parce qu'il y avait une coupure large. Même les pylons et tout ce qui est réseau télécom, il a été coupé. Il n'y a pas de problème, heureusement que vous avez l'important. On a posé la question tout simplement. Okay. Je vous laisse continuer et j'entre dans, avec l'autre groupe. Hein. Est-ce qu'il y a voilà. possibilité En cas de besoin, on va aller vous chercher, monsieur Bassam. Non, je vous écoute, je suis avec vous. Je vais avoir une deuxième connexion. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de laisser quelqu'un d'autre pour terminer ou bien pour avancer? Oui. On aura un maximum de personnes qui manipulent. Okay. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Toi, M. Smaïl. Toi, M. Smaïl. Oui, parfait. Et on aura notre dîner. Toi, M. Smaïl. C'est vous aussi, Smaïl. Moi, j'ai une version sur le cloud. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pas un problème. On l'accepte. Non, non, on va... ça ne dérange pas du tout. Moi, j'ai visé une personne et cette personne-là, elle maîtrise bien l'entreprise. Sarah. Ismaël, je suggère à Madame Aïcha de changer la compatibilité. Il n'est pas compatible puisqu'il travaille sur le 64, alors que le maximum télécharge sur la version 32. Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de compatibilité. Lorsque Aïcha m'a envoyé le fichier, je n'arrive pas à l'exécuter. Aïcha, elle travaille sur le 64. Moi, 32. Eh, mais ce n'est pas possible. L'inverse, il est possible. Donc, je demande à Aïcha. Oui, oui, ce n'est pas possible. Oui, je demande à Aïcha qu'il travaille sur le 32 pour qu'on soit compatible tout le monde. Donc moi, je ne pourrais pas travailler parce que j'ai le 32. Pardon? Regardez bien. Vous travaillez sur sa version AR, mais vous faites deux enregistrements si vous voulez. Une pour la version avant. Ok, ok. C'est l'autre pour la version moins 1. Ça veut dire. Oui, Sismaël. Oui, c'est vous, ça. Bonsoir. Il n'y a pas de souci avec ta connexion, c'est bon? Normalement, c'est bon. De toute façon, je suis en train de basculer entre la DSL et 3G. Donc, je vais essayer de vous... Donc, on va... Je souhaiterais savoir... S'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir... Sarah, allez-y, ta main est en l'air. Donc, vas-y, après, je vais juste poser une question. Non, vas-y. Okay. Sarah, tu as de connexion, Sarah? Est-ce que c'est Sarah ou Sarah? Oui, réalisez. Non, je voulais savoir, c'est sûr ce que Sarah a, ce que Aïcha a fait hier, c'est sûr ça on doit travailler? Oui, exactement. Ok, bon, moi je n'ai pas eu de... Moi j'ai réussi à l'ouvrir, en tout cas je n'ai pas eu de soucis. Moi aussi je l'ai ouvert, mais comme je suis sur le cloud, il a fait l'ouvert, sauf que lorsque je vous dis, il m'a posé des problèmes. Il dit qu'il y a En attendant... Écoutez, mes amis, en attendant, il faut qu'on avance un peu. Et tous les ennuis de compatibilité, on va en discuter, Inch'Allah. Okay. S'il te plaît. Tu reprends le travail. Aïcha, écoute-moi.
On a dit que c'est Sarah qui va travailler sur le... On a... S'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce que je peux reprendre le travail qui a été fait hier par Aïcha? Oui, mais apparemment, apparemment, il y a un problème de connexion. Elle était stable, la connexion. Inaudible, c'est inaudible. Oui, j'utilise le téléphone et le laptop. Voilà ce qu'on va faire. Doucement, mes amis, s'il vous plaît. Sarah, oui. Tu essaies de partager. Si on voit que ça bloque, on va basculer sur Aïcha, ok? Ok. Très bien. Allez-y. En fait, est-ce que Sarah, ce n'est pas parce que tu utilises et le téléphone et le laptop que ça, il y a une interférence pareille? Juste mettre un en mute. Voilà, il faut. Voilà. Moi, je pense que c'est parce que tu utilises les deux entités sur la même bande de fréquence là que cela agit quoi, à un effet. Donc, tu peux arrêter un, tu verras que ça va passer sans problème. On pourra t'entendre de façon. Voilà, c'est bon? Bonsoir, les amis. Bonsoir. Bonsoir. Ici, là, c'est le groupe des EPP ou bien... Oui, c'est EPP. Oui, c'est le groupe EPP. Aïe, il faut déjà parler dans la salle. Oui. Aïe, il est déjà parti dans la salle. Demande à monsieur Bassim de te faire basculer. D'accord. Est-ce que vous réalisez, madame? Ok, bon, on y va. Oui, Sarah, votre écran est très clair. Donc, c'est partagé. Donc, tu dois prendre. Oui, Sarah, on voit ton écran. Tu peux continuer. Tu dois prendre le fichier de Aïcha et tu l'ouvres et il s'ouvre automatiquement ici. Mais Sarah vous a dit qu'elle n'arrivait pas à ouvrir le fichier de Aïcha, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas lui demander encore d'ouvrir le fichier puisqu'elle a déjà des difficultés avec ça. Sarah, n'est-ce pas? Sarah, on ne t'entend pas. Sarah, il y a un problème de son. Le microphone. Tu ouvres le microphone. Il est actif. Vous m'entendez? Alors. Non, il y a un problème de connexion. Votre connexion est très faible, Sarah. Voilà. Oui. Bon, On n'arrive pas à te suivre, on n'arrive pas. Donc, on va faire vite, on va basculer sur Aïcha. C'est bon? Arrêtez le partage, Sarah, on passe à Aïcha. Okay. Aïcha, micro. Traoré, je n'ai que 10 minutes maintenant à passer avec vous. Ah oui? Pourquoi? Je vais dans l'autre salle. Ah ok. La 45, norme. 45 001. Oh, ben, je dois y aller également, mais vraiment, je ne sais pas comment faire. Hein. Je ne peux pas se partager, donc ben, je serai là. Pour c'est une heure de temps. Donc, je vais suivre une heure de temps et puis je vais basculer pour aller à la 45 000. C'est ce que je compte faire, oui. Voilà, c'est ce que je vais faire. Sinon, ça va être compliqué pour nous, là. Ah, c'est clair. Aïcha, s'il te plaît, le son, le microphone. On va suivre un peu si c'est pour faire seulement ces choses-là. On va basculer vers la 45 001. Tout à fait. Voilà. Réactive. Oh, très bien, très bien. Système de ressources faibles pour affecter votre qualité audio. On récapitule un peu. D'accord, il faut que je fasse un complet. D'accord. Monsieur Smaïn. Oui, oui. Veux-tu récapituler ce qu'on a dit hier? Avant de faire une petite récap, il y a un point qui me gêne vraiment. Pourquoi on a les flèches, les connexions qui chevauchent? La réponse elle est très simple, parce que les entités, on n'est pas obligé de mettre des entités dans ce sens-là. OK, on n'est pas obligé de mettre CDG, puis direction usine, puis direction commerciale et tout ça. On peut je suis en face. Mais ce n'est pas un déclenchement.
Laisse Ismaïl continuer. Laisse Ismaïl continuer de parler. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut être malin là-dessus pour éviter au maximum le chevauchement des connexions, des flèches. Voilà pourquoi la méthode pour modéliser des processus, il faut dessiner les tâches, bien les activités, rapprocher les entités entre elles, les entités qui communiquent, puis passer à la connexion. Nous, on a fait hier, on a fait dans le tas. C'est pour ça qu'on a eu ce bazar-là, qui n'est pas très, très propre, rien n'est proprement dit. Ce n'est pas très joli à voir et ce n'est pas lisible. Le problème, c'est que ce n'est pas lisible. Si on donne cette maquette à quelqu'un qui fait dans la modélisation des process, il va être étonné. Il ne va pas la lire correctement. Si je comprends bien. Il y a un problème de lecture et de visibilité. Et moi, je préconise, ça dépend de vous de toutes les façons, moi, je préconise qu'on pendant 5-10 minutes, on va essayer de revoir la configuration, bien l'emplacement des entités et de travailler un peu la connexion entre les différentes activités. Une fois que le schéma il est clair, on va entamer la suite. Ok, M. Ismaïl, ta remarque est très pertinente. Ce que je peux suggérer, c'est que l'idée, comme Sarah a bien présenté dès le début, donc le processus est bien clair dans sa tête. Pour ça, tout est clair dans sa tête et il a bien ficelé les étapes. L'organisation, c'est pas obligatoire de mettre la CDG en haut. Peut-être on commence par la direction générale, donc on peut manipuler ça, c'est facile. C'est le côté esthétique, on peut jouer sur le côté esthétique pour ramener les choses correctement. Si on a un département là où il chevauche le tout, on peut la centraliser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà. Je comprends, monsieur Ismaïl, je te comprends. Donc, il y a une chose, soit qu'on le fait tout de suite, soit qu'on le laisse à la fin. Non, à la fin, ça va être compliqué. Mais Fatima, il n'y a pas de chevauchement. En fait, puisque on arrive à faire une exportation vers les rapports, autrement dit, le chevauchement n'est pas exprimé. Le problème n'est pas là. S'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est une question à Sarah. Est-ce qu'on ne peut pas assembler la dalle? C'est la direction achat, approvisionnement et logistique, comme DAL. DAAL, c'est direction achat, approvisionnement et logistique. C'est déjà... C'est les trois parties de la direction des achats. Oui, c'est direction achat, approvisionnement et logistique, c'est regroupé dans DAAL comme une seule direction. Chez nous, si je parle... C'est ça l'idée de M. Ismaïl, je ne sais pas. Mon idée, ce n'est pas de fusionner, loin de là, de laisser cette configuration, il n'y a pas de souci. De travailler sur ça, ça fait 15 jours qu'on travaille là-dessus, bien 20 jours, bien plus, on va laisser ça comme ça. OK, on va travailler la lisibilité et la visibilité. Oui, le côté esthétique. On va travailler l'ergonomie. Il y a un problème sur la maquette. On ne peut pas avancer avec une maquette pareille. Il y a des connexions qui se posent comme ça. Problème. Oui. Où se pose le problème en lisant cette maquette? Le problème, Sarah, c'est l'ordre des entités. Ce que j'ai compris hier, vous avez obligé à respecter ces entités dans cet ordre-là. La CDG, puis direction usine, puis direction commerciale et tout ça. C'est pas un respect, non. Il ne faut pas qu'on respecte l'ordre ici dans le processus. Voilà. Il faut garder le côté esthétique. Là, il y a un département qui centralise. Là où il y a tous les départements se centralisent, on peut la mettre au centre. Comme ça, pour que les flèches ne se rapprochent pas. Que vous dire par les... se centraliser. Par exemple, quand on consolide l'ensemble des budgets, tous les départements vont vers ce département-là. Donc, on va mettre ensemble et calons le gestion vers... Tous les départements... On décale le contrôle de gestion vers le bas. Je ne sais pas si vous avez lu ce que vous voyez par rapport à l'information budget. Bon, j'ai utilisé le
de détails. Donc, c'est que les grandes. J'arrive à travailler sur ça. C'est pas ça. Écoute, Aïcha, est-ce que tu peux faire une J'ai une intervention, s'il te plaît. Moi, ce que je pense, que je vais partir d'écran, je vous envoie tout de suite l'export vers Word. Aïcha. Non, essaye d'adapter le diagramme pour qu'il soit visible, toutes les entités soient visibles. OK. Essaye de réduire un peu la vue. Essaye de faire un zoom arrière pour qu'on essaie, pour voir. Réduisez le ruban. OK, je vais l'enlever. Adapter au truc. Donc, c'est l'adapter voilà, au ruban. Voilà. Et là, le ruban. Je vais minimiser le ruban. Très bien. C'est bon. Okay. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, Fatima l'a bien compris. Sarah, voilà. Là, on essaie de voir l'entité qui reçoit le plus de flèches. On va la mettre au milieu pour une meilleure visibilité et lisibilité. Pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les connexions. Là, on a une maquette qui n'est pas très jolie à voir et qui n'est pas. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une représentation graphique. Je ne peux pas la lire. La maquette. Pardon? On ne peut pas lire la maquette. Lorsque quelqu'un veut lire la maquette, il ne peut pas la lire. Comme ça, c'est pas évident. Je te comprends, M. Ismaël. Voilà. Nous, lorsqu'on était en train de conceptionner, on a trouvé que le logiciel nous fatigue en faisant les flèches. Du coup, on a laissé que les flèches chevauchent jusqu'à ce qu'on comprenne les processus, comment ça marche et ainsi de suite. On a compris bien sûr que les flèches vont devant et d'un input à output pour chaque processus. Voilà. La question, Fatima, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé un moyen de changer l'emplacement des points. Des points, voilà. C'est toujours, il choisit la moitié, c'est le centre. Non, peut décaler le contrôle de qui est haut vers le centre. Pas vers le centre, parce que tout vient au contrôle de tion pour consommation. Attends. Il y en a deux départements qui est là où ils chevauchent le tout. L'RH et le contrôle de gestion. L'RH travaille avec. L'RH et le contrôle de gestion, ils doivent être à côté d'eux-mêmes. Donc, mesdames, s'il vous plaît. L'idéal, c'est d'enlever. Aïcha, s'il te plaît. Oui. L'idéal, c'est d'enlever toutes les flèches. On a les activités, on a une idée sur les interactions, donc ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'il y a possibilité d'enlever toutes les flèches? On va centrer l'activité qui reçoit le plus d'interactions. On va la déplacer, la mettre par exemple au milieu. On va la centraliser. La mettre carrément en bas. Comment? On la met carrément en bas à côté de RH. Voilà. Sinon, on va la mettre carrément en bas. OK, Aïcha? Vraiment, j'ai rien. J'ai pas bien entendu. Je suis en train j'ai bien compris. Hein? C'est simple. Vous voulez qu'on va changer juste l'ordre des entités, c'est ça? Voilà. Mais avant de faire ça, essaie d'effacer les flèches. Tu enlèves les flèches, il n'y a pas de souci. On pourra change l'ordre des entités, on ne va pas changer le travail. Non, pas du tout. Si vous permettez, pour donner suite à l'idée de M. Ismaël, et pour la clarifier aussi, Ismaël veut dire qu'on va garder le workflow, qu'on va garder l'enchaînement, le déroulement du diagramme, mais on va que remettre en ordre les entités. Voilà, c'est ça. Pourquoi M. Ismaël, puisqu'il y a des entités là où toutes les informations se concentrent et il y a des chevauchements des flèches. Pour alléger ces chevauchements, on va réorganiser la CDG avec la RH. C'est eux qui rassemblent le maximum des flèches et on va remonter les autres en arrière et toutes les flèches, elles vont descendre là-dedans d'une façon claire. Très bien. Voilà. Très bien. Allez-y, Aïcha.
Fatima, s'il te plaît, tu oui. essaies de travailler avec Aïcha sur cette idée-là. Okay. Essaye de faire ça ensemble. Ok, moi je suis en train de faire. Donc, Aïcha, on peut commencer par l'activité déclencheuse en haut. Et puis on suit le verrou. Aïcha, le contrôle vers le bas sera plus simple. Aïcha, tu m'écoutes? Aïcha? Oui, je vous écoute. Oui, je t'écoute, Fatima. Oui. Tu ne réponds pas. D'accord. On fait une chose. On enlève toutes les flèches. Supprimer les flèches. Tout d'abord. Exact. Voilà. Voilà. Très bien. Là, vous êtes en train d'appliquer une méthode. Claire. Ça, c'est pas grave. Ça, la méthode de modélisation. Hein. Je suis désolé, mais hier, on s'est plongé comme ça à tête. Donc, c'est bon. Garde. Est-ce qu'il y a un ordre à suivre? Maintenant, tu prends la CDG. Tu prends la CDG. Oui. Bonsoir. Laissons vers RH. C'est qui? Lamia. C'est Lamia. Bonsoir, bon. Lamia. Voilà. Maintenant, tu vas écarter un peu le processus, tu vas le mettre un peu en large et tu mets le processus en escalier. Tu mets déjà tout. Fatima. Oui, ma chérie. Je peux intervenir dans un tout petit point par rapport à... Vas-y, vous avez tout un droit. Voilà. Ce que j'ai constaté que vous n'avez pas utilisé l'icône validation. Donc, du coup, normalement, on est censé avoir quelque chose qui est transmis d'un département, oui, d'une direction vers une autre direction. Ouais. Voilà, suite à une validation, si elle est validée, elle va chez une autre entité, sinon... Elle va revenir vers la première entité et elle va être révisée ou corrigée. Maintenant, on va l'utiliser tout de suite puisqu'on a hier on a travaillé juste sur le côté simple. Puis maintenant, on va introduire l'icône. Excuse-moi. On va introduire l'icône ISO, le zone oui. pour la décision. Justement. C'est pour ça. C'est pour ça, on s'est trouvé avec plein de flèches. Qui sont en interaction et... On est en train de travailler sur ça, Lamia. On est en train de travailler le côté esthétique. Oui. On essaye d'éliminer un maximum de chevauchement. Oui, c'est vrai, Lamia. Si on n'a pas de connexion, on n'aura pas de validation. Mais là, c'est par la suite, comme M. Bossé a dit. Allez-y, Aïcha. Décale celui de direction commerciale, décale jusqu'à gauche. Il y a un commencement. Sarah, vous entendez pas. Il y a un problème voilà. de connexion. Ah, c'est bon. Très bien. Monsieur Smaïd. Oui, Lamia. Aïcha. Si tu veux bien, essaye de programmer une journée ou ce que vous voulez pour que je puisse vous faire plutôt la présentation. Il n'y a pas de souci. On termine cette séance, on va se mettre d'accord sur une journée. Voilà. Juste après la séance. Pour le temps, tu as combien de temps? Aïcha. Oui, Aïcha, faire descendre la direction commerciale vers les achats. Direction commerciale vers les achats. Vers les achats. Là, tu as mis 100 euros. Non, pas moi. Non. C'est achat. Pas grave. Juste pour que ça, c'est l'élément d'entrée, on va commencer avec. Oui, mais l'élément d'entrée est la direction commerciale. Oui, l'élément c'est ça. Vers les charges achats. Non, c'est bon, c'est un bon. C'est bon, ça y est. Donc, tu mets. Tu décales un peu vers la gauche pour laisser un peu d'espace. Puis on va. La direction commerciale, tu prends le processus, tu le décales vers l'entrée. Aïcha, tout à l'heure, tu travailles sur la taille des polices. On va essayer de. Okay. Voilà. Non, on voit Aïcha. Tu prends le processus de commercial, tu le mets extrême gauche. Très bien. Voilà, tu le mets extrême gauche. C'est un commencement là, on va commencer. Donc, le tout.
Ça dépasse pas tout. Est-ce qu'il y a une méthode de déplacer le tour? C'est sélectionner le tour. Voilà. Voilà. Ok. C'est simple. Ok. Très bien. Ok. Maintenant. Ah, il non. Enlever la flèche. Allez. Donc, j'espère qu'il va prendre le tour. Eh oh. Maintenant. Non, c'est bon, Aïcha, c'est bon. Bah, tu refais la flèche. Ah. Tu enlèves cette flèche-là qui est articulée. Ça dérange. Ok. Tu peux le retravailler. C'est pas bon, grave. C'est bon, c'est bon. Enlève la flèche, enlève la flèche. Très bien. Voilà. Allez. Les flèches, on va les faire après. Donc. Maintenant, Sarah. Oui, Fatima. Aïcha. Dépasser le, élaborer le budget un peu au centre. Décoration d'objet, ok, il est là. Un peu, ça va. Celui-là, tu le dépasses à l'extrême. Non, là, tu gardes comme ça. L'extrême. Celui de CDG, tu le mets à l'extrême à droite. CDG à l'extrême à droite, d'accord. Ouais. Hop, sorry. Avec la flèche, avec tout. Donc là, ça il va sortir, mais c'est pas ça grave. Marche, ça marche pas, tu enlèves la flèche. Après, tu... c'est bon. Et on va aller chercher les... C'est la rentrée. Tu effaces la flèche, s'il te plaît. Tu effaces carrément la flèche. On a enlevé. Mais cette fois-ci, ça va. C'est pas grave. Cette fois-ci, ça fonctionne très bien. Ok, c'est pas grave. Et on va l'enlever. On a allégé maintenant le schéma. Descend. Ils sont en bas. Okay. Voir un aperçu global juste pour prendre une décision. C'est ce qu'on voit. Terminer le RH, on peut la garder comme ça. Et l'autre, ça oui, c'est ça. Les... Yala, c'est bon, c'est bon. Voilà. Farah, on va commencer. Fatima, une minute, s'il te plaît. Aïcha. Ouais. Maintenant, oui. Tu travailles la police de caractère. Voilà, essaie d'agrandir au maximum sur 12 ou bien sur 14 points. La police de caractère. Tout. Voilà. D'accord. C'est bon. Et c'est puisqu'on a ce processus, la raison pourquoi il y a cette forme-là, c'est bizarre. Sélectionnez les textes, Aïcha. Sélectionnez les textes. Mouchez le processus. Là, ça, c'est juste pour... Allez-y. Mais... On ne peut pas faire que le wahda bouhdaha. Donc, qu'est-ce que je mets en kulhom? Parce que la sélection, elle se fait marra wahda. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, élaborer le budget d'approvisionnement et la matière pour la matière première. Format. Très bien. Définir le volume et des fonds prévisionnels. OK. Consolider, approuver, définir, déterminer. Très bien. La dernière. Dernière, c'est. C'est bon. C'est tout est fait. Très bien, très bien. Dans les entités, la Brina. Aïcha, s'il te plaît, doucement. Sur la CDG, essaye de centraliser le. Oui, là, il est sous-processus. Il est avec la forme. Là, le sous-processus. À l'intérieur, sélectionner la zone de texte. Voilà, c'est pour des ennuis. D'accord. Là, c'est la zone de texte. C'est vraiment invisible. Essaye d'agrandir le... Voilà. La matière. Il y a la sélection de texte pour la bouger. Ma touche niche la sélection, c'est ça le problème. Vers le haut, voilà. Maintenant, tu essaies de cliquer sur le. Voilà, non, comme ça, tu ne peux pas le déplacer. Très bien. Voilà. Très bien. Là, c'est bon, tu laisses, c'est bon.
رفضنا شيخ راه باين لكم يلا سي فوالا sur la 12, ok. C'est bon, c'est Alors, pour faire plaisir à la mienne, je demande à Sarah où il y a la décision, là où se présente la décision. Sarah? Il y a un problème de connexion. Oui, on déconne ça. Sarah, elle est sur, elle est au bureau. Elle est dans la connexion. Problème de question, oui. Moi, je suis encore au bureau. Allez-y, Aïcha, tu travailles la police de caractère en attendant que Sarah. Damien. Oui, oui, Fatima. Tu peux intervenir et tu peux suggérer. Là, on peut avoir des décisions. Les propriétés de. En fait, de. Sur la partie des ventes prévisionnelles. C'est l'élément d'entrée du processus. Fatima. Oui, alors on va un peu discuter par d'un budget en général pour qu'on puisse avoir une idée. Déjà, n'importe quel processus. Enfin, pour mettre en place une démarche processus en général, il faut avoir d'abord ce qu'on appelle un audit. L'audit avant de mettre en place ce processus. D'accord ? Donc, cet audit, on a par exemple, on va diagnostiquer le département, on va observer ce qu'il fait réellement, ce qu'il travaille, comment il travaille, la manière, etc. D'accord ? Oui. Ensuite, on va détecter exactement les activités. Ensuite, on va voir l'interaction qu'on appelle interaction structure comportementale avec les autres intervenants. D'accord ? Pour qu'on puisse déterminer par la suite c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir dans le processus lui-même. Cette étape, Sarah, il l'a préconisé faite. Oui, je sais. On entre directement dans le processus lui-même. Donc, tout l'entourage du processus, on a considéré que déjà fait. D'accord. Alors, le processus. Sarah, il a pris l'élément 1 de tout le travail de la société. On a pris un processus. Dégager d'après tout ce que tu as dit maintenant, Madame Lamia, et on vous remercie de l'éclaircissement. Et oui. Sarah, elle a venu un résultat. D'accord. Travailler sur un processus. Okay. Très bien. C'est ça, Sarah. Ah. Hein? Oui. Alors, normalement, il y a les objectifs qui sont mis. Global, oui. Oui, voilà. Ainsi que la ligne stratégique. Il nous a partagé quand même un... Voilà. Alors, pour déterminer le budget de chaque département ou direction, on va dire, donc, il y a ce qu'on appelle l'expression de besoin. D'accord. Donc, les expressions sont à la direction finance et comptabilité. Normalement, c'est la CDG. Voilà. Et la CDG en général, on l'a gardé pour la CDG. Alors, CDG. Alors, qu'elle fait ? Elle va utiliser ce qu'on appelle. Donc, il y a un bruit de fond, s'il vous plaît. Le bruit de fond et la connexion très faible. Donc, on n'arrive même pas à. S'il vous plaît. Ismaël ? Oui, oui. Tu l'as mis à dire ? Je n'ai pas compris, il y a des coupures. Donc, on a Je pense, qu'on va essayer de terminer déjà notre maquette, puis on va passer au autre chose. Vous m'entendez? Il y a des coupures, il y a un bruit déjà, il y a un bruit parasite. Moi, je parle pour mes amis. Oui, oui. Tout le monde, je demande à ce qu'ils mettent tous en mute
Et la personne qui veut parler, elle déclenche son micro. Oui, donc c'est à quelle échelle il faut tout mettre en... Voilà. Alors. Donc, qui parle, Sarah ou Lamia? Est-ce que je continue? Hein, Fatima? Oui, on vous écoute. Alors, vous m'entendez bien, j'espère. Ça va? Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle l'expression de besoin. Donc, chaque direction, donc, elle exprime le besoin en budget, c'est-à-dire en finance. Par exemple, pour la DRH, c'est les formations, par exemple. Hein. Par exemple, on va dire, la formation pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Hein. Par exemple, pour le Delta, ou pour ceux qui travaillent sur l'apport de l'amélioration, puisque là, on a le processus amélioration continue. Soit une évolution de chiffre d'affaires, soit un nouveau produit, soit un nouveau marché. Alors, pour le commercial, généralement, elle se base beaucoup plus, la DFC, sur le commercial parce que c'est le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice de l'entreprise. D'accord? S'il vous plaît. Oui. On est dans quel atelier là? Qu'est-ce qu'on est en train de discuter maintenant? On est en train de discuter le déroulement de ce processus, comment il réagit. D'accord? Ça a été fait hier. Ça a été fait dans les détails avec Sarah et Bessem et le reste de l'équipe. On va essayer, on va essayer de récupérer la maquette d'hier. Maintenant, si tu juges qu'il faut modifier ou ajouter quelque chose, on va le faire, il n'y a pas de souci. D'accord. OK. Donc, Sarah, Aïcha, on va reprendre la maquette d'hier. Donc, on va reprendre les connexions entre les différentes activités. D'accord. OK. Lamia, elle est là. Elle va superviser. S'il y a des choses, oui. Justement. Alors, concernant les besoins en ressources humaines. On commence par le début, Lamia. Voilà. Normalement, vous devez détailler. On reste sur les macros, puis après on va détailler. On va rentrer dans les détails. N'oublie pas qu'il y a des novices comme moi qui ne maîtrisent pas ce genre de tralala du management, entre guillemets. OK. C'est pour ça qu'on va aller basiquement avec les activités de départ. Oui. Au fur et à mesure, on va inclure tout ce qui est les acteurs, les résultats, les sélections et tout ça. Oui, donc, on va essayer de revenir sur la maquette d'hier. Aïcha, commences la connexion. Donc, qui va exprimer le besoin et à qui? Aïcha, tu commences par le commencement. Définir les volumes de vente vers élaborer le budget. Très bien. Donc, toutes les directions vont exprimer leurs besoins est-ce qu'on peut concentrer une demande? Sarah, il a un problème de connexion. Autrement dit, c'est Sarah qui va reprendre. Donc, on va commencer par le commencement. C'est le input. Oui. Le input, c'est le REN. Voilà. Et voilà. C'est OK? OK. Fatima, OK. Oui, c'est bien. Définir les volumes des ventes prévisionnelles. Alors, ça. Ça sort vers élaborer les budgets. Élaborer les budgets. Oui. Mais, pas vers le trésor, c'est la trésorerie. Non, élaborer les budgets, Aïcha. OK, c'est bon. Donc, définir, c'est. Il a mis de haut, qu'il descend de haut au centre. Pour qu'il soit un peu esthétique. Il sort d'ici. Très bien. Donc, Sarah, c'est ça? Non. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non. Oui, Sarah. La déterminer le budget des ventes prévisionnelles
après on détermine le plan de production. Le plan de production. Le plan de production, c'est à l'échelle. D'accord. Il est au centre aussi. Même on peut l'appeler budget production. Donc, c'est toujours, c'est, on va donner un... Donc, il flèche, il va des ventes vers le, la production. Oui, oui. C'est toujours, c'est... OK. Après, c'est la production vers les achats. Et la production vers les achats. Oui, il faut... Donc, il faut... Donc la direction usine, il va proposer le... Sur la base du budget production qu'on donne les achats. Donc, on le commercial achat. Le commercial achat ne va pas l'avoir. C'est ici. Donc, la direction... La flèche intermédiaire en bas, non. Donc, elle va exprimer le besoin vers les achats. Pardon. C'est ça. Non, les achats, c'est en haut. C'est le troisième. C'est bon, c'est bon. Et on... On lève l'autre, Aïcha, Sarah. Problématique. Regarde là. Oups. Aïcha. Oui. Il faut enlever la flèche, définir les volumes des ventes prévisionnelles vers après le budget. S'il te plaît, je finis avec... définir le volume. Pardon? C'est pour ça que ça ne passe pas. Achat. Oui. Il passe le processus au centre. OK. Il passe un peu le processus au centre. Quel processus? Le haut. À la tâche. Tu parles là. J'y vais le centre, je suis là. Attends, je suis là. L'espace qui est ici, ça allait, je vais en prendre une. Ok. D'accord. On le celle qui est en bas. Mais il y a de la flèche, Aïcha. Tu la mets de l'autre côté. Latéral. Donc, non, si je comprends très bien, maintenant, c'est la direction usine qui exprime le... Le besoin, c'est ça. Vas-y. Vers l'achat. Donc, l'achat. L'achat, si, c'est bon. Mais... Lève entre tel et H. Tu laisses que... Aïcha. Oui. Il faut enlever la flèche des ventes prévisionnelles qui va vers élaborer le budget. Il y a une flèche. Aïcha, enlève la deuxième flèche. La flèche. On va te l'enlever. Rien du tout. Aïcha? Oui. La deuxième flèche. La flèche qui descend de commercial vers l'achat, tu l'enlèves. Celle-là. Voilà, très bien. OK. Aïcha, tu mets la flèche qui monte du commercial vers la production. Tu la mets du côté latéral. Essaye de la mettre du côté latéral ou du haut. Comme ça, il ne se bouge pas. Là, non, le côté l'autre, gauche. Non. Côté gauche, Aïcha. Ouais. Tu vois, là. Ok, je vois là. Non. Supprimez la flèche. Aouda. Supprimer, ok. Ok. Aoudi l'okhra, hadik l'fokani. Hadik, non, hadik. Non, Aïcha, hadik. Pardon, hadik? Hadik, j'y vais à la gauche. Ok. L'fok, non. Hadik, l'fok, voilà. Arrête toutes les séances. On a un message d'arrêter toutes les séances. Ouais. Arrêtez tout. Mais là, on a un message. Et là, peut-être que la flèche est telle. Rappelez la flèche telle. Est-ce qu'on a bien réussi? Bien.
D'accord. Donc, Hadi, c'est. Après, on a C'est la CDI, Hadi. Bon, de commande. Ok. Donc, contrôle l'ensemble du budget. Mais après, il y a à faire créer le lien, déterminer les en RH entre production et entre le commercial. Entre la production et le RH. Production RH. C'est l'inverse, autrement dit, c'est entre les RH, est-ce que entre les RH et la production? Oui, la production exprimée. C'est la compétence. Oui. D'accord. Donc, on va donner des compétences au. Et là, on va changer aussi l'emplacement, j'imagine. On a besoin de changer l'emplacement, de déterminer des besoins de RH. Hello. OK. Ah, non. Ça, s'il te plaît. Oui. Tu effaces cette flèche. Avant, tu effaces cette flèche. OK. Je déplace maintenant, un petit peu. Maintenant, rien ne t'empêche de faire bouger les activités pour avoir un couloir comme ça, librement, vers la préparation des plans de production. Donc, tu voilà. On va les bouger en fonction de besoin. Voilà, si au fur et à mesure. Bon, c'est comme ça. Et voilà. Donc, c'est le besoin de production des compétences. Voilà. Pour une fois. Pour une fois, il faut qu'on bouge, Hadi. C'est d'agrandir l'activité, c'est d'agrandir l'angle. Il faut partir vers le centre encore une fois. Pas possible. Normalement, on peut la mettre sur latéral. C'est bon. Non, non, mais il n'y a pas de connexion. Maintenant, oui. Maintenant, il y a de la connexion, mais au centre, il y a quelque chose que. Après, peut-être je vais tester le. J'ai pas de souris. Je travaille quoi avec le pavier électro-automatique. C'est pénible, Aïcha, tu nous condamnes à rester à passer un temps terrible sur ça. Ça, c'est un travail qu'il faut faire avec la souris. C'est pas possible de faire ça avec le pavé numérique. C'est impossible. J'ai pas le. On fait de la conception. Même la modélisation, je le fais par le pavé électronique, sinon la souris, c'est au bureau. Ma souris, c'est au bureau, c'est pas à la maison. Vas-y, tout va se faire. Essaye de mettre sur latéral, voilà. Latéral passe toujours vers le centre de l'un des. Voilà. Essaye de. Je laisse. On laisse et demain. On laisse, on passe à autre chose. Oui. Et on va créer le lien entre. Et pour la force de pour les recrutements de vente des questions. Fatima, tu as bien entendu? Oui. Donc, c'est entre les RH et il y a une expression de besoin d'eux? Et commercial, expression de recrutement de commerce. Commercial, d'accord. On les vend. Commercial. Tu la mets à l'envers. Oui, d'accord. D'accord, donc c'est
Le commerce. Oui, c'est communiqué. On revient au rôle de. Tous les départements se consolident, viennent vers la DG. Oui, c'est ça, Fatou. Oui. Vient vers un DG, donc on va créer un DG. Non, oui, la DG. Tous les départements se convergent vers la CDG. Ah d'accord, oui, vers contrôle de gestion, ok. Contrôle de gestion, donc contrôle de gestion, c'est ici. Oh là là, il faut toujours bouger Heidi. Je ne sais pas ce que c'est là. Ok. Oui. Donc, malheureusement, oh là là, c'est la même chose qui se répète depuis. Donc, et il en reste le RH. Automatiquement, c'est que travailler. Aïcha, une fois, il vous donne le rectangle avec pointillé vert, c'est que la flèche est connectée. C'est ça. Le problème, il choisit toujours le centre. Et c'est ça le problème. Aïcha, ne sois pas. On ne peut pas lire normalement si c'est la flèche, si on arrive à séparer les flèches, on peut lire facilement notre processus. On va Aïcha, aïe doucement, tu n'auras pas de crainte, c'est facile. Non, on comprend très bien le processus. On sait très bien que, par exemple, l'usine, il a exprimé le besoin RH en compétence. On comprend très bien que, on comprend le processus. Mais quelqu'un qui ne le comprend pas, s'il le donne, par exemple, le processus de cette façon-là, il ne va rien comprendre. En termes flèche, il ne sait pas là où il parle l'autre. Voilà. Il a toujours besoin de sélection. Il a toujours besoin de sélectionner pour lire. Or, normalement, on pourra corriger ça. Bon, maintenant, c'est. C'est un problème de logiciel. Non, pas du tout. Non, Aïcha, ça, c'est un logiciel, c'est une plateforme de modélisation. Il n'y a pas de problème. Pisagie, c'est un langage de modélisation. C'est un langage de modélisation. Donc, il n'y a pas de problème dans la conception. Pour que ce soit un peu passionné. Voilà. Il parle à ma place, en tout cas, à part si je ne sais pas comment faire, il a un snap vers le... Oui, c'est ça. Un snap vers le centre. Donc, il faut qu'on trouve une méthode. On essaie d'avancer. Allez. OK. Mm-hmm. Donc, les sorties avec la conciliation. Il y a un bruit parasite. L'autre classe. Chez Bassin. OK. Comment l'autre classe? Chacun est dans une salle. Chacun est dans sa salle. La classe de Vincent. Ce sont les voisins. Les voisins qui font le bruit. Vas-y, ça, Charles. Est-ce que je. Voilà, moi je l'ai fait. Je ne sais pas ce que ça. Est-ce que je peux partager ce que j'ai fait, moi? Oui. Il faudrait que Aïcha essaie d'enregistrer. Marie, essaie d'enregistrer ton travail. Tu arrêtes le partage. Yes.
on va voir le travail, la maquette de Fatima. Ok, je partage moi maintenant. Très bien. Je partage le petit message. Voilà. Sauf que je dois le format. Hein. Chacun a tout. L'aperçu, voilà. Oui. Bon, moi. En façon bien adapté au le diagramme. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que toutes les flèches, elles y sont? Oui. Donc, c'est. Donc, je dois essayer de la palette, Aïcha, Fatima. Essaye de cacher le ruban et d'agrandir un peu la maquette parce que c'est carrément illisible. Hein? Comment cacher le ruban? Donc, voilà, fort. La flèche, en haut, extrême haut, gauche. Gauche, voilà. Oui. Vas-y, non. Même lignée, vas-y, non, pas encore, vas-y encore. Même, vas-y. L'extrême. Oui, voilà, là-bas. Yes. Minimiser le ruban. Voilà. Très bien. Donc, aperçu. Fit page. Très bien, c'est bien. Je diminue un peu. Est-ce que je peux donner quelques. Il ne donne pas un mot dessus. Adapter le diagramme. Fit page. Non, tu peux faire un adapté. Adapté comme ça, va te. 75, c'est bien. Mais allez, on va continuer. C'est bon, Fatima, c'est bon. C'est bon. Mm-hmm. Bon, essaye de refaire les flèches en input et en output. Les déclencheurs et les. Voilà, ça c'est l'input. Tu refais la flèche convenablement. C'est bon. Voilà. Il faut l'effacer carrément, la refaire. Faire une flèche en bonne et due forme, une droite rectiligne. Attendez, éliminer le cercle, Aïcha. Fatima, éliminez le cercle, éliminez. Okay. Voilà. Revenez à la tâche. Revenez à la tâche. Vous sélectionnez la tâche, tout simplement. Non. C'est pas celle-là. Là où vous avez éliminé le cercle rouge. CDG. D'accord. Output. Ici. Le service. Oui. Voilà. Vous pointez là-bas. Il vous donne la possibilité de faire. Pointez. Comment il ne donne pas des tâches, des sorties? Non, c'est pas ça. C'est la touche droite pour sortir l'ensemble. Voilà, ici, il donne. Il vous donne un cercle rouge. Vous le sélectionnez. Non, c'est pas le. Vous sélectionnez le processus, pas ce qui est écrit. Voilà. C'est le processus d'un pas. C'est un sous-processus là. Non, c'est un sous-processus. Mais tu sélectionnes avec la touche droite, tu peux. Voilà. Monsieur Bassam, mais si c'est la version, l'ancienne version. Fatima, tu peux faire l'ancienne version. Même sur l'ancienne version. On peut. Mm-hmm. Allez-y. C'est bon, laissez. Puisqu'il vous donne pointillé, voilà. C'est connecté. Là, ce n'est pas connecté. Fatima, il faut que tu alimentes ton ordinateur. Il te reste 7%. C'est pas 11%. D'alimentation. C'est bon. Très bien. Non, ce n'est pas connecté. Pas connecté, ma chérie. Non. Voilà. Cette histoire. Oh. Non, il n'a pas connecté. Pour être connecté, il donne comme le point d'intersection. Des pointillés. Oui. Non, il n'est pas connecté. Donc, il faut le changer carrément. Oui. Alors, c'est le problème qui est en train de se faire. Ah oui, maintenant c'est oui. Mais elle, pour M. Bassam. Avec les pointillés verts. C'est bon, c'est fait maintenant. C'est fait. Les amis, je viens de vous envoyer un dessin sur PowerPoint. Je pense qu'il est un peu minimisé en termes de flèches et de présentation, si vous pouvez jeter un coup d'œil. Merci.
Merci, Mohamed. Oui, éliminez ça. Éliminez cette flèche. Revenons. Aïcha, Fatima, revenez à la tâche. Non. Éliminez ça, Aïcha. Fatima, éliminez ce cercle. Revenons à la tâche. De direction commerciale. Okay. Voilà, l'activité, tu sélectionnes. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas celui de début. C'est celui-là. Allez-y. Non, c'est un autre cercle. Intermédiaire. Ah, oui. Si vous voulez, oui. On va l'accepter même. Cercle intermédiaire, puisque il y a un processus avant ça. Vous le mettez avant. Avant. Bien aligné. Pourquoi tu n'as pas fait une flèche alignée quand même? Donc, c'est... Il faut qu'on résolve vraiment ce problème des flèches une fois pour toutes. Il y a un problème. Voilà, c'est bon. Actuellement, c'est bon. Excellent. Voilà. Voilà. Consolider l'ensemble du budget, élargir un peu le rectangle de la tâche. Consolider. Latéralement. Latéralement. Et voilà. La tâche, pas l'écriture. Voilà, encore. Maintenant, il commence. Jusqu'à ce que la flèche d'en haut, elle devient verticale. La flèche en haut devient verticale. Celle qui descend, est-ce que ça peut être le cas? Elle. Entre l'achat et la CDG. Le tout. Celle-là et la deuxième, les deux flèches. Normalement, ils descendent. Elle descend de l'achat vers la CDG et l'autre, il descend du commercial vers la CDG et l'autre monte de RH vers la CDG. Et la dernière vient de la production vers la CDG. CDG, il y a tout qui part vers le CDG. Mm-hmm. Donc, les quatre départements se consolident vers CDG. Est-ce que vous pouvez valider le processus? Et valider le processus. Format. Je le mets où? Pardon, Fatima, c'est quoi ça? Pour validation. Non, c'est pas ça. Non. Éliminer ça. Ça non, c'est pas ça. C'est format. En haut, format. Oui, format. Mm-hmm. Non, accueil. Ah, ça. Exécuter workflow. Il y a validé. Vous validez. Non, avant d'exécuter. Voilà, c'est bon. Vous voulez enregistrer, c'est ça? Non. Valider, est-ce que nos flèches sont bien faites, ainsi de suite. Ah, d'accord. Attends. Non, c'est pas ça. C'est fait de même. Cher ami, vous pouvez télécharger le guide de paysagie. La version de ce que vous avez, il y en a des guides. Vous choisissez un guide et c'est très bien fait. Vous voyez le mot valider, voilà. Valider. Grand valide, voilà. Erreur, avertissement ou message d'information. Sans erreur. Voilà, vous n'avez aucune erreur. D'ailleurs, ça, il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Fatima, s'il te plaît, juste une minute. Ouais. Je ne sais pas qui est-ce qui a envoyé une capture d'écran. Donc, c'est... Othman. Othman. Mouaddin. Oui, donc, il a envoyé une capture d'écran. Je pense qu'elle mérite d'être visionnée. Il a fait un schéma cool. Fatima peut le télécharger et le présenter. Oui. Il est vraiment... Finir le volume de vente. Wow. Voilà. Je pense que ça mérite d'être vu. C'est de où? Ça s'appelle comment? C'est direct sur les achats. C'est direct sur le chat.
Oui, je l'ai téléchargé. Il peut l'ouvrir directement. C'est capture d'écran. Capture d'écran. Capture d'écran. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas une activité qui manque? On voit, si vous remarquez, toutes les activités s'écoulent vers la tâche finale consolidée. C'est pas ça, préparer les plans. Non, c'est juste un brouillon. J'étais en mode brouillon. Il y a du chevauchement entre le commercial et la consolidation. Il y a un chevauchement entre le... Non, c'est pas un chevauchement, ça, Aïcha. C'est pas ça, c'est correct ce qu'il a fait. Les lignes, les connexions en jaune ou bien en orange, elles sont correctes. Mm-hmm. C'est des connexions superposées, tout simplement. Et j'imagine. Si au centre, on n'aura pas ce problème. Hein? C'est jamais consolidé, était en avant, au centre, sur les flèches se convergent. J'ai fait consolider à la fin exprès, car j'imagine que consolider tous les budgets, c'est la tâche finale. Donc, j'ai essayé de respecter l'ordre chronologique aussi des tâches. Ça, il y a un petit souci. Tu as deux activités, puis une entité. C'est quoi SSGGZ? Non, ce sont les entités, la commerciale, la CDG. Et mon frère, nous avons une seule activité par entité. Il n'y a pas. C'est ce que j'ai fait. Non, ce ne sont pas des activités, ce sont des titres. Des titres comme direction usine, direction. Achat, commercial, CDG. Non, je ne parle pas de ça. Il y a des communications. Parfois, on trouve des communications réciproques. Puis, Et ce schéma, ce n'est pas clair pour vous? C'est clair. On peut le garder, mais je ne vois pas l'ordre chronologique dans ce schéma. Il n'y a pas de chronologique, il y a des va-et-vient. Par exemple, lorsque on définit le volume, on a donné la préparation des plans de production. La production, il transmet le message aux achats. Les achats transmettent au CDG, les RH aussi, les commerciales aussi, et l'usine aussi. Donc, oui, Fatima, on voit deux flèches qui sortent de la première activité, qui sortent en même temps. Donc on a l'air de dire... Qu'ils sont exécutés en même temps, la consolidation et la préparation des plans de production. Attends. Alors que ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris. Ça, c'est... Une flèche qui monte pour la préparation, la demande de préparation. Il y a une flèche qui descend. Une autre qui sort, restons dans la première tâche. Voilà. On a deux flèches qui sortent. Oui. Oui. C'est quoi la première flèche? La première, c'est l'expression de... Comment on va savoir comment la demande de préparation des plans pour la production au volume de vente, et il demande au CDG le besoin en financement. Fatima, non, tu ne réponds pas à la question. Schématisé dans le schéma. La première activité, on a deux sorties. Voilà, une en haut et une en bas. Ce n'est pas ça, la première, direction usine. Voilà, on a deux sorties. On a trois sorties. Deux sorties. Donc, une entrée trois, et deux sorties. Comment lire ces deux sorties? Donc, pour la sortie, la première, c'est pour les achats. Extrêmement de besoins pour les achats. Et la deuxième, c'est pour le CDG. Autrement dit, on peut écrire quelque chose sur la flèche, Fatima. Bien sûr, transmettre le besoin. Comme ça, oui. On a la possibilité d'écrire sur la flèche. Oui, on peut écrire. Sam nous corrige, si on... Malheureusement, rien. Regardez bien. Sur la question de chronologie des flèches, là, on ne connaît pas. Oui. On peut écrire sur les flèches, ça c'est certain. On peut écrire sur la flèche, vous éditez, vous tapez deux fois sur la flèche et vous écrivez. Voilà. Par exemple, transmettre un budget de vente. TRMS, budget vente. Vous écrivez
sur la flèche et vous aurez le flux et quelque chose, voilà, sur la flèche. Lorsqu'on voit comme ça, par exemple, le débit, définir le budget de vente, il y en aura deux flèches sortantes. On n'a aucune idée sur la chronologie des flèches. C'est-à-dire, ça peut se faire simultanément ou indépendamment. Oui. On n'a pas d'indication sur la chose. Oui. Là, voilà, on peut ajouter des détails d'activité. Si on a quelque chose, avant de consolider, on aura des réunions, on aura quelque chose. On crée, par exemple, une entité de pilotage qui va valider chaque étape. Oui, on peut ajouter. Et enfin, à la fin de la validation de chaque étape, on va à la consolidation. On peut ajouter la direction générale pour validation. Si vous voulez, c'est pas uniquement elle qui valide, c'est le comité de pilotage. On peut ajouter le comité de pilotage. Et on peut mettre ce travail au niveau du contrôle gestion. Si le contrôle gestion, il fait cette animation. Oui, c'est le rôle du contrôle de gestion, c'est ce qu'il voilà. fait. Voilà. Donc, chaque fois, voilà, on va faire préparer le budget de vente, on fait le passer au CDG, ouais. On fait la losange, valider, et on passe des copies aux autres départements. Non validé, il revient. Voilà. Non validé, ça, c'est, vous passez la losange au niveau du CDG. Donc, si oui, ça passe pour les autres départements, décaler un peu les choses à gauche. Non, définir le volume de vente à gauche et la losange à gauche, Fatima. Sinon, on revient toujours au directeur commercial. Le oui, c'est pour les autres départements. Le non, on revient à la direction commerciale pour qu'elle rectifie son budget commercial. Bien sûr, il est basé sur des études, il est basé sur des données, ainsi de suite. Mais avec le CDG, le contrôle gestion, on valide ses prévisions de vente tout d'abord. Une fois validé, on avance. Voilà. Donc, c'est en haut, transmettre le budget, il vient après la validation. Il n'est plus avant. Est-ce qu'on est d'accord? Le nom, Fatima. Écrit sur la flèche. Tu peux écrire sur la flèche. Non, mais ce qui est sur la flèche, se mettre le budget vient après. Non, pas pour le moment. Sarah, pas pour le moment. Vous prenez une autre flèche. Fatima, une autre flèche qui sort du losange et elle revient à la direction commerciale. Prenez les flèches du côté gauche, du coin gauche. Voilà, c'est bon. Elle va revenir vers la direction commerciale. Voilà. Elle revient vers la direction commerciale. Voilà, et voilà, c'est bon. C'est fait. Oui. C'est bon. Et elle monte vers la direction commerciale. Revenez à la direction commerciale. Donc, c'est une demande. Et sur cette flèche, vous cliquez deux fois, vous écrivez non. Vraiment, moi aussi, je n'arrive pas à maîtriser la modélisation du flèche ou bien le... C'est un problème. On va le refaire complètement. Mais est-ce que c'est entre le losange? Bon, j'ai perdu connexion. Où on était? Non, c'est... Voilà, c'est bon. C'est bon. Si je l'écris, non. Non, vous avez une flèche qui est perdue. Fatima, la flèche entrante ou losange? Oui. La flèche... Elle descend verticalement. Pourquoi elle est déconnectée? Voilà. Donc, le losange, c'est pour l'approbation. Si c'est approuvé, on rentre. Sinon, on revient. Ouais. Si c'est non. On clique sur cette flèche. C'est le non.
OK. Le nom, oui. Juste pour... On clique sur la flèche. C'est le nom. Voilà. Oublions la deuxième flèche, consolider. Éliminer la flèche entre la losange et consolider. C'est la décision. Voilà. Prendre des décisions. Voilà, celle-là. Voilà. Faire éloigner le consolider à droite. On va créer une tâche. Après avoir validé. Voilà. On va créer, valider le budget de vente et le communiquer aux différents départements. Prenez la losange. Prenez la losange. Voilà, valider le budget de vente et le distribuer ou le communiquer aux autres départements. Éliminez la tâche. Fatima, éliminez la tâche. Choisissez la losange. Voilà, elle vous permet de créer la losange, pas le texte. Mm-hmm. Non, elle ne vous donne pas la main de créer une tâche. Voilà, vous sélectionnez la tâche. Le triangle. Donne, voilà, c'est là, oui. Voilà. Glissez un peu à droite la tâche et elle sera connectée avec sa flèche. Très bien. Voilà, elle est bien alignée, ainsi de suite. Très bien. Donc, valider le budget de vente et le communiquer aux différents départements. Et comme ça, on aura des flèches sortantes pour tous les départements. Valider le budget de vente et le communiquer avec tous les départements, avec tous les... Voilà. Là, on voit mieux la chronologie des choses. C'est vrai, on va ajouter des détails de tâches. Donc, je veux valider le budget. Valider et communiquer. Valider le budget et communiquer. Valider le budget et le communiquer à tous les départements. Budget vente. Voilà. Communiquer. Voilà. Le budget. Aux autres départements. Donc, vous allez éloigner un peu l'autre processus. Et sur la flèche, vous allez écrire oui, puisqu'on a le nom. Pour l'autre, on va écrire le oui. Voilà. Comme ça. Excellent. Merci, Fatima. Non, non. Non, sur la flèche. Après décision. Voilà. Un peu. Voilà. Cliquez sur la flèche et vous faites le oui. C'est bon, ça suffit pour écrire le oui. Voilà. C'est bien clair maintenant. Maintenant, on aura des flèches sortantes. Pour les autres, on va éliminer, transmettre le budget d'en vente en haut. Ça va être éliminé. On élimine ça? Oui, c'est là, bien sûr. Elle n'a plus raison d'être. Parce que préparer le budget de production, il provient après la validation par le CDG. Oui. Et les ventes, ils partent directement au trésorerie, c'est ça? Quoi la trésorerie? Trésorerie pour dire les banques. Non, c'est le CDG qui va faire le travail, qui va envoyer. L'autre, il prépare son budget uniquement. D'accord. Le contrôle de gestion, il continue jusqu'à le budget trésorerie avec le trésorier. Mmh. Très bien. Donc, je dois amener la validation à la préparation des plans. Valider et communiquer, on va le communiquer. Donc, on va mettre une flèche pour DRH pour déterminer le besoin en DRH. On va faire une flèche pour élaborer le budget d'appro. Une flèche pour... Donc, une flèche pour DRH. Une flèche pour production. C'est bon. Une autre flèche pour production. C'est bon. Laissez. Vous prenez le bout et vous le mettez en haut. Voilà. Très bien. Voilà, uniquement ça, c'est encore mieux. Voilà. Et de la production, il tombe vers la pro. C'est bon.
C'est encore mieux, non? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Okay. Allez-y, déterminer besoin RH, décaler un peu à droite, jusqu'il devient aligné avec validé. Oui. Lorsqu'il devient aligné, il va vous mettre les deux en pointillé. Hein? Il vous dit que c'est centré. Non, à gauche. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est encore mieux. C'est bon? C'est bon, Fatima, c'est bon, c'est bon. Sinon, on va perdre le... Très voilà. Bien. Très bien. Maintenant, tout est clair. C'est bon. C'est lisible et plausible. Oui, tout à fait. Maintenant, on peut ajouter les responsabilités, les rôles. Voilà, vous choisissez la tâche. Bon. Vous allez prendre propriété. Je suggère que pour chaque tâche, pour chaque département, une de l'équipe prend la tâche. On donne le nom de M. Boussadi, de Mme Aïcha, de Mme Sarah, et ainsi de suite. Non, Fatima, on ne fait pas ça. Même dans les entreprises, on ne fait pas ça. On crée le poste, puis on affecte les personnes au poste. Mais on va adhérer le poste pour la taxe d'usine à M. Bouaz, par exemple. Bonjour. Non, le poste, c'est un CDG. Puis on affecte Mme Serra au CDG. C'est ça, c'est ça. Mouche directement. Pas directement. D'accord. Allez-y. Vous choisissez une tâche. Laquelle vous choisissez? Donc, je... N'importe laquelle, allez-y, la première. Bouton droit. Propriété, Fatima, propriété en bas. Il vous donne une palette maintenant. Il vous donne quelle tâche? Vous pouvez décrire la tâche et vous allez ajouter, si vous voulez, en bas, les trois pointillés. Vous ajoutez le rôle, la personne. On va dire responsable commercial. Vous y êtes? Attends, voilà, vous ajoutez le nom responsable commercial. Responsable commercial. Responsable commercial. Est-ce qu'il vous donne ajouter en bas? Est-ce qu'il vous donne ajouter? Maintenant, non. Ici. Comment non? Elle est là. En bas, pas là-bas. La propriété voilà. D'élément, définir le volume des ventes sur le feu. En bas, encore plus bas. Bah, non, l'autre. À droite. Il n'y a pas, ça paraît pas. Il n'y a rien. Non, ça paraît, c'est si on voit, on la voit. Encore en bas. Mais moi, je ne vois rien. Hey. Regarde, Fatima, oui. Plus bas, doucement, plus bas, vers... non, à plus bas. Droite, Fatima, latéral, à droite, vers la droite, latéral, à droite, encore, droite. Encore, il y a encore. 75%, il y a 75%, vas-y sur 75%, après des 75%, même lignée, vas-y, de, latéralement, vas-y, encore, vas-y, encore, encore, même lignée. Même lignée latérale. Non, ça c'est l'écran. Ça c'est l'écran. Après, celle d'après, c'est quoi? Rien. Si, si. Vas-y. Celle d'après. Merci. Ah. Rien. Voilà, attends. Vas-y. Tout en descends. Bas. Doucement descends. En bas, c'est ajouté. Voilà. À gauche. Vous verrez mon écran. Mon Dieu. Enlève le truc de l'écran qui te dérange. Enlève-le. Comment j'enlève? Tu le prends et tu le montes en haut. Prends-le, monte-le en haut. Fatima. Plus bas. Peut-être. Fatima, tu le fais le Hayadi Millowal. S'il te plaît, tu fermes. Change-le. On revient sur la tâche. Bouton droit, propriété, on refait le truc. Non, tu fermes. Il a changé l'emplacement du ruban. Voilà, tu fermes. Voilà. On revient sur la tâche, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Bouton droit,
propriété, tout doucement, tout doucement. Voilà. Allez-y, voilà. Tu as le nom. Maintenant, tu mets le nom. Le nom, c'est définir le volume. Responsable des ventes ou responsable de, d'achat. Non, non, il y a les trois pointillés devant exécutant. Vous ajoutez, voilà. Ajouter. Il vous donne le, voilà, il vous donne un écran pour ajouter. Mm-hmm. Ajouter, voilà. Maintenant, responsable appro. Voilà, il existe. Responsable appro. Nous, on l'a déjà fait cette partie-là. Allez-y, responsable. C'est Bessem, ça c'est ce qu'on a fait notamment. Vous voyez, c'est moi, ce que les, d'une version à une autre, ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Le principe, c'est le même, mais les versions différentes. Le rôle, le responsable existe. C'est bon. Et le responsable pro existe. Mais je n'ai rien trouvé lorsque je fais la flèche, il ne donne pas de personne. Puisque ça, ce n'est pas le vôtre, c'est la mienne. Oui, mais elle fait. Elle vise... Non, c'est le dessin que j'ai fait, c'est je le fais en parallèle avec Aïcha. Je n'ai pas copié ce, le vôtre. Ok. Ah ben, c'est pas grave. C'est ok, même... c'est bon. C'est pas grave. Ok. Voilà. Sélectionne. Ok. Je fais ça et je regarde ça. Donc, j'ajoute. Et vous dites ok. Excusez-moi. Si... Qui c'est okay. Si Bessem, est-ce que vous allez faire quelque chose d'autre ou pas? Parce que moi, je vais aller. Oui. Je vais y aller s'il y a. Oh, je m'excuse, tout le monde. Voilà. Je vous remercie. À demain. Non, moi, je vous, okay. Vous pouvez continuer. Moi, je vais y aller. Merci beaucoup. On se retrouve okay, demain. OK, pour soir. Le groupe AI, c'est bon. C'est bon. On a édité le rapport. C'est ouais. Bon. C'est bon. Merci beaucoup, tout le monde. À demain, les amis. À demain. À demain. Merci bien. Voilà. Responsable d'appro. Si je mets OK. Voilà. OK. C'est bon. Très bien. Je fais un autre. Voilà. Pour celle-là, je mets propriété. Ce n'est pas mon. Ce n'est pas le responsable des ventes qui prépare le but des ventes visionnelles. D'accord, on change. Ok, je reviens. Je mets propriété. Je mets ici. Je mets ajouter. Et modifier. Non, je mets un autre. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Le directeur. Responsable de vendre, responsable commercial. Celui-là, c'est qui? Responsable commercial. C'est les ventes, donc c'est responsable commercial. Responsable commercial. 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 Général. Ok. Ça. Voilà, vous choisissez responsable commercial. Ok. Je mets ok. Ok. Pour sélectionner. La deuxième tâche. Attendez, Aïcha. Je mets ici. Voilà, sélectionner responsable commercial. Ok. Voilà. Pour la tâche. Allez-y, a étendu. Non, attendez. Revenez, Aïcha. Ah, voilà. Allez, a étendu. Vous voyez de base, en bas. Non. En bas, dans la fenêtre qui est en bas. Ah, d'accord. Voilà. Il y a de base et le mot étendu. Oui. Là, on peut ajouter, voilà. On peut ajouter si on a un formulaire de budget de commercial, une liste des produits à faire, les prévisions, ainsi de suite. On peut ajouter, cliquer sur ce lien-là. Donc, on peut ajouter quelque chose, on va donner son nom. Et est-ce que cette chose, elle est une zone de texte, nombre, date, facture, ou un lien URL, ou et intégré moi, voilà, au tableau. Si on va aller à intégrer. Oui, Sarah. Donc, on a un template déjà préparé. On peut l'annexer pour faciliter la consultation par la suite. Vous donnez un nom avant. Oui, bien sûr. Si on a des templates, on les met. Ah, très bien. Donc, donnez un nom tout d'abord. Forme de budget commercial ou la template commerciale. Voilà, OK. Là, vous allez l'importer de votre PC. Voilà. OK, super. Et vous allez l'intégrer. Et lorsque vous allez créer la version web, lorsque vous allez naviguer, il va importer. Très bien. Et ça, c'est très important pour les entreprises, là. Oui, ça facilite la... Lorsqu'il va faire une demande de congé, lorsqu'il va faire une reprise, lorsqu'on aura un accident de travail, lorsqu'on aura... demande d'avance sur tout ce que vous voulez. Donc, tout ce qui est documentation, on aura besoin de les intégrer dans nos processus.
On ne sera pas, on n'attend pas que la personne soit dans son bureau pour qu'il va. Voilà, c'est bon. Pour avancer, il y a un écran. Voilà, non, ça c'est pour le simulateur de temps. Pour la simulation. Voilà. Action de présentation. Okay, oui. D'accord. C'est un peu, il est très développé la chose. Monsieur Bessem, et là oui. Pour les rôles, pour les fonctions, niveau, est-ce qu'il contribue, est-ce qu'il est responsable, où est-ce qu'on peut l'avoir pour cette version? Là, pour cette version, ça n'existe pas. Pour l'autre version, ils l'ont développé, 4 niveaux. C'est ça. Voilà, pour les autres, il y a. Oui, là, on peut ajouter exécutant et on peut ajouter différents exécutants, à la limite dans la description. Vous voyez, lorsqu'on va exécutant, ajouter les 3 flèches, Fatima. Dans les 3 points plutôt, 3 points en bas, exécutant. On peut ajouter, et dans le descriptif du rôle, on va dire que cette personne, elle est propriétaire ou il est informé ou ajouter, il est contribué. Fatima. Je l'ai ajouté. C'est ça des achats. C'est responsable approvisionnement. Oui, oui. Les 3 flèches là-bas. Oui. On peut ajouter et dans le descriptif, on peut le faire. Dans les nouvelles versions, il vous donne automatiquement l'attribution des rôles. Oui. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important d'une version à une autre. Quand vous dites la nouvelle version, c'est les 64 propriétés. Le processus et le sous-processus. Oui, est-ce qu'on peut travailler un petit peu sur le sous-processus? Oui, c'est beau, ça. Oui, donc, lorsque vous faites propriété, il vous donne toute une palette à droite. Vous voyez dans le descriptif, ici, on peut faire ce qu'on veut pour mieux décrire la chose. Bien. On va dire que cette personne-là, elle est informée. Sélectionnée. Ok. Voilà. CDG. Voilà. Ok. Moi, je vais le responsable financier pour CDG, c'est à vous de. Non, c'est le point de gestion. Le responsable contrôle gestion. D'accord, je change. Oui. T'as toutes les possibilités à faire. Ok. Oui. Ici, je vais 3 points. Je vais modifier. Vous ajoutez. Hein? Ah, vous, puisque là, on n'a pas modifié, oui. Ajoutez, ajoutez. Allez-y. Responsable. C'est bon, c'est bon. Responsable CDG. Yeah, c'est normalement, c'est le contrôle de gestion, non? Contrôleur de gestion. Ça, là. Oui, oui. C'est contrôleur de gestion. C'est contrôle de gestion. Ok. Paul, contrôleur de gestion. Okay. Ok. Très bien. Et on supprime l'autre, là, responsable financier. Non, on ne va pas l'utiliser. Je l'ai modifié carrément. Voilà, voilà. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Oui. J'ajoute. On a le responsable à plusieurs commercial et j'ajoute maintenant le. Responsable RH. Moi, personnellement, j'ai cette version de Pisagie. Je n'ai pas l'autre. C'est celle que Aïcha a utilisée hier. Pardon? L'autre version, la version de la version studio. La version studio. Studio non. Primaire. C'est pas tout à fait studio, la version 0.11, mais c'est la version 3.8. Pardon, j'ai toujours la version. Pardon. Aïcha, il faut que tu retransfères en 32 comme ça pour qu'il soit compatible avec les autres. Mais vraiment, ça va donner, ça va demander beaucoup de temps. Mais Fatima, lorsque vous enregistrez ça, tout le reste des groupes, ils peuvent l'ouvrir. On peut peut-être cette version-là, enregistrer une version ancienne. Cette version, toutes les versions peuvent l'ouvrir. Valider. Essaye de valider, s'il te plaît, Fatima. Voilà, valider. Voilà. Très bien. Très bien. Ok. Ah, super. Ok.
Éditez, si vous voulez, le, votre Word ou votre PDF. La publication. Donc, vous voulez sur Word ou sur PDF? Allez-y sur PDF, puis on verra. C'est la c'est plus chose. Rapide. Donc, je n'ai pas. Suivant. C'est déjà... déjà fait. Donc, je vais comme ça. J'arrive choisissez à... le tout. Changer diagramme. Diagramme élaboration. Non, l'autre. C'est pour consolider les vides. Donc, le tout. Le tout le... On va dire communiquer le budget, mais ce qu'on a ajouté aujourd'hui. Suivant. Bon. Portrait. Très bien. Voilà, ça, je rends. Non, non, nom de fichier. Non, non. On a un problème de nom. Incorrect nom de fichier. On a parce un problème il est en PDF. De... Il est en PDF. Il n'est pas Word. Extension PDF. Comme Word, comme PDF. Ils ont le même message. PDF, oui. Mais juste pour ce travail de, que j'ai importé de Aïcha. Par contre, le travail que j'ai travaillé moi hier sur. Directement sur mon logiciel, je ne trouvais pas ça. Donc, Fatima, s'il te plaît, Fatima, tu donnes un autre nom, juste un autre nom. Ah bon, non, non, doucement, doucement. Non, enregistré pas. Doucement, sur. Doucement. Tu, as les trois, tu as les trois points à côté, voilà. Tu gardes le chemin, tu donnes un autre nom. Allez-y. C'est bon, OPP. C'est bon, OK, OK. Enregistré. Enregistré. Ok, c'est terminé. Non, ça bien. Qu'est-ce que j'ai enlevé? La date? L'extension. Extension.pdf. Non, non, il le fait automatiquement. Excellent. Très bien. Processus bien. C'est pas ce modèle-là. Allez-y doucement. Donc, on a ça sur. Il vous donne le sommaire. Le sommaire paginé. Voilà. Et tout ce qu'on a écrit, il va le donner. Tu veux créer un livre, tu n'as qu'à modéliser. Voilà. Oui. Voilà. Ah, de... j'ai il va donner le schéma. Voilà. Il va donner le schéma. Les rôles, les responsabilités. L'élaboration du budget. Et puis quoi, et ainsi de suite. Maintenant, on va commencer à faire les éléments bien. De processus. Et à l'intérieur des éléments de processus, lorsqu'on va faire les sous-processus, il va les mettre après. Maintenant, les rôles, les responsables d'approvisionnement, les exécutants. Fatima, on peut faire un test du sous-processus tout de suite, plus vite. Oui, on peut le faire rapidement, oui. Merci beaucoup, monsieur Bassam. Et tout ce que vous faites ici, un rapport d'une centaine de pages, 120 pages, il va être édité rapidement. Oui. Ça aide énormément les entreprises dans la modélisation de leur processus. Ah oui, très pour bien. Les Fatima. Monsieur Bassem, oui. Voilà. Oui, c'est cool. Je disais, ça peut aider aussi pour faire un rapport de stage. Comment? Ça peut aider aussi de faire un rapport. Peut-être. J'ai pas bien écouté, c'est cool. Oui. Je disais. Oui, si c'est ça. Oui. Je vous ai voilà, si ça peut aider aussi de faire un rapport. Un rapport. Oui. Oui, oui. Bien sûr. Excuse, c'est tout ce qu'il a dit. Sa question a aidé à faire un rapport, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui. Pour moi, ça, je peux même sortir de temps en temps mon rapport, puis le corriger, faire des modifications, visiter exactement. Les départements, être dans les départements pour voir le suivi, puis faire les changements. Partager le PDF. Oh, merci. Partagez le paysager aussi, Fatima. Ouais, oui. D'accord. Je passe là, le sous-processus. Allez-y. Le sous-processus. Prêt. Ah, d'accord. On a le sous-processus. On va, bouton droit, éditer le sous-processus. Déjà fait. Il vous donne une nouvelle page. Mm-hmm. Et on refait la même chose. OK. Donc. La question, est-ce qu'on met une tâche ou bien un sous-processus? C'est un sous-processus. Donc, on va prendre, oui. Donc, on revient, oui. Fatima, sur consolider l'ensemble du budget, oui. Et sur processus. Donc, on aura, pour consolider, qu'est-ce qu'on aura? Collecter, si vous voulez, les budgets des différents départements. Collecter les différents budgets. Mais là, étudier les budgets.
S'il vous plaît, oui. M. Bassin, ici, est-ce qu'on va prendre un rectangle de tâches ou bien de ce processus? Si vous n'allez pas le développer, vous faites tâche. Si vous allez développer, vous prenez sous processus. Donc, puisque déjà la tâche, elle est déjà définie dans l'ensemble du diagramme élaboration budget. Donc maintenant, on va partir au sous-processus. C'est un processus, ce n'est pas une tâche. Oui, oui. Ça, c'est des sous-processus, oui. Regardez bien, Aïcha. Là, consolider les budgets, c'est un processus. Oui. C'est-à-dire, il y a sous ce processus, soit des tâches, soit des processus. OK. Donc, lorsqu'on va à la page concernée de ce processus, on peut trouver des tâches ou des processus. Et si on trouve des processus, on peut ouvrir des pages spécifiques à ces processus pour les développer. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Voilà. D'ailleurs, un processus, on ne veut pas le développer. On peut, bouton droit, et éliminer le processus sur le rang une tâche. Ouais. Mais généralement, si on fait comme processus, c'est qu'on va le développer. Fatima, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager le fichier paysager? Voilà. Parce que... Enregistrer tout d'abord. Enregistrer. C'est quoi du fichier? Enregistrer, c'est carrément en haut déjà. En haut. Voilà. Enregistrer. Sarah, vous avez des logigrammes de travail pour le contrôle gestion, n'est-ce pas? Ne ferme pas la fenêtre. Non, Fatima, ne ferme pas la fenêtre. Parce que nous, c'est... Oui, c'est mieux qu'il va nous l'envoyer. Autant que fermé, comme ça on peut... Vous éliminez les logos, les noms, tout ce qui est non, en tête. Non, non, c'est simple. Le but, parce que moi, quand j'ai pris ce projet, c'est pour mettre ça en place, parce qu'en ce moment, on ne l'a pas. Ah, vous ne l'avez pas. Donc, on va le concevoir ensemble. Justement, c'est pour le mettre en place. Allez-y, voilà. Fatima, allez-y, fermez. Donc, hein. Vous avez dit? Allez-y, fermez. Fermez, bien envoyé. Ok, je vais vous faire ça. Les amis, pardon, si vous... quelle est l'extension des fichiers visage? Parce que moi, je n'arrive pas à ouvrir ce BP. BP. Visage, c'est l'extension propriété. Pardon, c'est... BPM. BPM. BPM, oui. Et sur Bizagi, l'importer. Donc, on va choisir PDF ou. Normalement, il va reconnaître le fichier. Si tu vas le déplacer carrément sur le workspace, il va l'ouvrir automatiquement. Il n'a pas reconnu. BPM. C'est l'extension, c'est .bpm. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi, je n'ai pas fait, Bonita, c'est un autre logiciel de modélisation de process. Je n'ai pas utilisé. Bonita. Oui, je l'ai utilisé. Mais il fait les processus. Oui, c'est une open source latine. Oui. C'est une open source des pays latins. Fatima, il n'a qu'à s'organiser par date, modifié par date. Voilà, c'est ça. C'est celui-ci. Bon. Fatima, bon. EPP 2021. On a enlevé ça, non? Non, Fatima. C'est celui Voilà. Non, je l'ai nommé pour Fatima, comme ça elle porte le nom pour Fatima, à part si tu as changé le nom. Non, je n'ai pas changé le nom. Donc, c'est pour Fatima, pour Fatima. Je ne l'ai pas trouvé. S'il vous plaît, est-ce que puisque Fatima est en train de changer, Fatima, est-ce que tu peux nous montrer comment ouvrir un fichier comme ça sur la J? D'accord, tout de suite. C'est beaucoup. Juste double-clic. Voilà, je fais comme ça. Oui. Chez moi, il ne s'ouvre pas. Je vais mettre double-clic. Ouvrir un fichier par double-clic, ça va vraiment laisser la machine en RAM. Hein? Voilà. Il faut faire bouton droit, ouvrir. Lydia. On ne peut pas le porter sur Bizagi. C'est pas ça, c'est l'ancien ça.
Retourne vers la partie de ton enregistrement, là où tu es enregistré. Il n'a qu'à réorganiser l'ensemble par date, réorganiser par date. Bouton droit. Oui, clique direct. Clique encore une fois. Puis, C'est ça. Juste pour Fatima, si vous... Juste pour Fatima. Est-ce que tu l'as enregistré sur ICC Canada? Peut-être dans téléchargement. Ouvre le fichier direct sur Pisagi, tu auras la version en haut. Tu as ton modèle en haut. Ouvre le. Oui, c'est une autre solution, oui. Oui, ouvre Pisagi. Pisagi. Écris Pisagi, direct, voilà. Voilà. Oui. Ah, ok. Non. C'est pas sûr. C'est bon. Ça va prendre le temps. Si on ouvre du fichier, si on ouvre des enregistrements, il prend du temps. Par contre, c'est si on. Voilà, ouvre... il est là. Voilà. Voilà, il est là. Enregistrer sous. La possibilité de faire enregistrer sous ici. Il était enregistré dans téléchargement, je ne sais pas. Enregistrer. Mais s'il vous plaît, le fichier que j'ai sur celui de Aïcha, il n'y a pas. Et juste une fois, je regarde maintenant le compte de Fatima. Écrit le. Moi, il faut choisir. On a communiqué tout à l'heure avant le commencement de notre séance. On a communiqué un petit peu, puis je l'ai envoyé encore. Non. Allez-y, non. Fatima, enregistré sous 23 septembre 2021. Comment j'enregistre sous? Enregistré sous. Fichier, enregistré sous. Il y a dossier, il n'y a pas fichier. Ah, d'accord. Voilà. Sauvegarder, enregistré sous. Voilà. Oui. Voilà. Choisir, c'est ICC Canada, c'est OK. C'est bon. Ah, j'étais là? Oui, tu étais sur ICC Canada. C'est bon. Donc, on enlève le pour Fatima, c'est pour notre groupe. Ça ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas. Vous écrivez 2309, c'est mieux. Donc, vous aurez la version 24, vous écrivez 24. J'élimine ça et je mets la date. Oui. La date, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 2301, c'est mieux. C'est bon. Okay. C'est bien. D'accord, maintenant je partage. Reviens sur le chat. Chat, c'est en haut. Je vais faire. Ah, pas en haut là-bas. Non. Ah, ici, c'est. Il n'a qu'à écrire processus. Écris processus direct. Il m'a donné pour Fatima. C'est pas ta donnée. Bon. Tu n'as pas changé le nom, Fatima. Oui, il est changé sur son écran. Il est changé. Peut-être que tu le prends et tu glisses sur le chat. Tu le glisses carrément, voilà. Tu le prends et tu le glisses. Pas de chat. Oh, il est en bas. Son chat, il est en bas. Bien, c'est moi. Non, ça, c'est moi. C'est ça. Copier-coller. Non, ça fonctionne. Voilà, sur le WhatsApp ou sur le... Juste 23, 9, 20. Elle est bien enregistrée. C'est bon. Merci, Fatima. C'est bon. OK, bonsoir. Merci, Fatima. J'espère que c'était clair. J'ai 23, 09, 20, 21. OK, processus. C'est bon, on l'a eu. Merci beaucoup. Merci, Fatima. Merci Fatima. Merci. Donc, cher ami les informaticiens, je peux poser une question? Oui. Les fichiers qui sont partagés par les collègues ne s'ouvrent pas chez moi. Pour quelle raison? Comment ça ne s'ouvre pas? Je souffre. Voilà qu'est-ce qu'il affiche. Vous regardez. Je pense que j'ai rencontré le même problème que toi, Sarah.
celui que a été partagé par Smaïl. Il me le livre de bizarre. Mais quand je charge ce que vous partagez, c'est une feuille blanche et je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il a ouvert la chargée avant qu'il soit enregistré Sarah, carrément. Sarah, s'il te plaît, tu as le fichier là, de taille zéro, donc le poids, il est nul. Donc, tu n'as pas downloadé le fichier. Tu ne l'as pas téléchargé. Exactement. Téléchargé, oui. Donc, c'est un fichier qui pèse dans les 90 kilos, je pense, ou un truc comme ça. Pour refaire le téléchargement. Voilà. Sarah. Il a quitté ça avec le... Pardon? Refaire le téléchargement. Ils ont détecté ça avec le poids. C'est un fichier qui n'a pas de poids. Mais sur le chat, les messages que je peux recevoir, ce fichier n'existe pas. Sarah, tu l'as enregistré. Oui, il n'existe pas. Soit, bien enregistré. Tu l'as téléchargé avant qu'il ne soit complètement. Donc, je vais tester. Fermer, ouvrir. Refaire Sarah et ça marche. Et je vais ouvrir. Non, c'est pas monté, le mode de service. Mais sur le chat, il n'existe pas. Non, il existe, il est toujours là. Il est en rose. Déconnexion du réseau, Fatima, déconnexion du réseau. Et je pars. Alors, donc, je vais vérifier juste est-ce que ça se voit ou pas. Sur le 23-09-20. Le processus CDG, ok. Je n'arrive pas pour le réenvoyer, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai renvoyé, voilà. Ok. Vous avez dit le processus, le fichier. Cette extension peut être présentée. Bon, j'ai problème pour moi. Je le je vois. Fais directement charger, consolider. Oui, tâche 1. Oui, c'est bon. Ça, là, tu l'as téléchargé. C'est moi. Hein? Moi, c'est sans problème. Je vais vérifier tout de suite. Ah, oui, maintenant, oui. Merci beaucoup. Très bien. Merci, ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de question sur le processus, sur la présentation et tout. Donc, le logiciel. Merci à vous tous. Merci Fatima. Je vous en prie. Aïcha et tout le monde. Aïcha, s'il te plaît, avant de partir. La mienne. Merci Bassam. Merci à vous. Tu achètes une souris, hein? Ok. D'accord. Heureusement. D'accord. Parce qu'on a galéré, hein, vraiment. Moi, je travaille sans souris. C'est pénible. Moi, je travaille sans souris, monsieur Bsaadi. C'est la même chose, tu ramènes deux, trois souris. J'en ai dans le tiroir. Mais qui est une souris qui sourit ou bien une souris qui sourit? Moi, je travaille avec le souris, voilà. Donc, bon sourire et bon fin de soirée. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Juste le mien, s'il te plaît, tu es là? Oui, je suis là. Donc, pour ta séance, si c'est possible, on va essayer de la faire, on reprend le lundi, juste une heure ou une demi-heure avant la séance de tout le monde. OK. D'accord. Si c'est possible, Salah, il va organiser ça, il va nous créer une salle sur Zoom toujours. Salah, tu es d'accord? Oui. Pourquoi? Non. Vous pouvez exploiter la plateforme. Très bien. On va se retrouver sur le même espace. Donc, oui. Lundi vers 18h ou la 18h15 et tout ça. Très ok, bien. Le mien. 18h15, c'est parfait. Comment? 18h15, c'est parfait. Très bien. Donc, tu prépares la présentation. J'ai un petit plus 1, c'est ça? Oui. En Algérie, c'est GMT plus. Voilà. Parfait, donc, on fait comme ça. Et merci à l'avance pour cet effort. Ah, c'est moi. Et on se retrouve le lundi, Inch'Allah. Demain. Demain. Nous avons cours demain. Demain, c'est vendredi. Vendredi, nous avons cours. C'est vendredi.
Nous avons cours demain, oui. Pour chaque processus, les quatre tâches pour chaque processus. Oui, je vais essayer justement. Le but, c'est je vais essayer de modéliser ça et de partager avec vous. Ah, avec grand plaisir. Si tu arriveras à faire, donc il faut que tu travailles aussi. D'accord, merci beaucoup les enfants. Essaye d'utiliser les handshows. Ok. Pour chaque département. Ok, d'accord. Ok. Ok, merci, bonsoir. Bye bye. Merci, bye bye. Bonsoir à tous.